nouveau gouvernement, ça coince autour du maintien ou non de la ministre Zeynep Nabeya si on n'est plus certain d'un chamboulement dans la composition de la nouvelle équipe gouvernementale au visa de sa structure dévoilée la nuit dernière, ça coince par contre pour le maintien ou non de certains ministres à leur poste. C'est le cas par exemple de la ministre de l'enseignement technique, Zeynep Nabeya Dramé. C'est du moins ce qu'on apprend de bonnes sources. Selon celle-ci, le dossier du présumé détournement des 200 milliards GNF, qui a pris, ce lundi 17 janvier, un virage important avec l'abandon des charges contre les journalistes accusés de diffamation, ce dossier ne plaiderait pas en faveur du maintien à son poste de l'ancienne DARAF, catapultée ministre. Son nom aurait été coché devant le ministère des Affaires étrangères. Ses soutiens continueraient plutôt à plaider pour son maintien à son poste. Ceux-ci, convaincus que leur protégé est innocent des faits de détournement dont on l'accuse, assimileraient sa permutation à une humiliation et brandiraient l'effort que celle-ci aurait fourni pour la réélection d'Alpha Condé à la dernière présidentielle, en sa qualité de directrice adjointe de la campagne du RPG à EC. Le moins qu'on puisse dire, et que le maintien dans le gouvernement de Zeynep Dramé avant que la justice ne tranche dans ce dossier présumé détournement dans lequel elle est citée, pourrait sans doute provoquer des grincements de dents dans l'opinion.